Et donc, salut à tous, c'est Dazer qui vous retrouve avec une Wii Sensor Bar pleine de poussière, mais ça, vous en avez rien à foutre. Donc on se retrouve dans cette salle de sauvegarde, Samus fait en quelque sorte le garde, et on va s'arrêter tout de suite puisque c'est pas notre but, hein. On va pouvoir continuer notre mission principale en traversant cette douce porte, à deux à l'heure, hein, parce que si Samus pouvait courir, ce serait trop beau, bien sûr. Et dans ce jeu, rien n'est trop beau pour être vrai. Donc marchons, hein. En même temps, on peut pas courir, donc c'est sûr qu'on va pas... On va pas aller plus vite. Hein. En fait, je suis sûr qu'on y est presque. Mais où? C'est ça la question. Le pire, c'est que je peux vraiment rien faire. Je peux pas sauter, je peux pas tirer, je peux pas. Je peux juste marcher. Imaginez, je pouvais pas marcher, je serais de la merde. Alors, qu'y a-t-il dans les recoins de cette salle? Je me frotta contre le mur. Et je m'en écarta. Le livre est allé au sol, c'est logique. Une porte impossible à ouvrir actuellement, et peut-être qu'on pourra jamais ouvrir d'ailleurs, qui sait. Donc pas grand chose d'intéressant, mais si Samus pouvait se bouger un peu ce qui lui sert de cul, ce serait fort sympathique, ma foi. Désolé, je suis un peu malade, hein. Oui, si vous entendez un porcelet en fond, c'est normal. Ça faisait longtemps que tu vois l'arme 5. Oh, des gens de la station galactique, ils me disent rien, eux. Non, ils me font la gueule. Putain, le porcelet, il se la ferme pas, là. Hein. J'espère que vous l'entendez pas. Des choses sont sorties de ces cocons. Bon, on va traverser la porte. Hein. J'ai pas grand choix en même temps, j'ai envie de dire. Oh, du gaz. Ça gaz. Oh, le truc, est-ce que Samus se remettra à marcher normalement un jour? Ah, je la sens bien, cette salle. C'est une cinématique, donc bon... Hein. Putain, décidément. Non, mais elle peut pas se remettre à marcher normalement là, ce serait sympathique. Bon, on va se faire les portes dans l'ordre. Enfin, si c'est. Ouais, c'est des portes. Alors, qu'est-ce donc? Bon, ok, y a rien. Ça commence bien, hein. Donc, deuxième porte. Y a rien, c'est cool. La troisième porte sera-t-elle du succès? Ah, apparemment oui. Oula! Mais. On dirait une espèce de corps de Redley, c'est bizarre. C'est chelou. C'est chelou. Putain, ces arbres, on dirait un corps de Ridley mais sans les ailes. Ça fait peur. Ils essayaient de reproduire des clones de Ridley. Ah, ou alors des pirates intergalactiques. Ça y ressemble un peu aussi. Parce qu'il a les pinces des pirates intergalactiques, mais il a une gueule à Ridley. Je sais pas, sa tête, ça fait penser à Ridley. Mais ça m'étonnerait pas que ce soit plutôt des pirates intergalactiques. Donc bon, on est de la phase en quelque sorte Weird Waldo, où est Charlie en bon français. Avec le petit... Ah, le petit... Voilà, le petit truc à trouver qui fait que voilà, quoi. Adam, are you seeing this? It is a beast. Oui, Adam voit ça, bien sûr, parce qu'Adam voit tout ce que Samus voit. Imaginez comment prend sa douche. I don't know. Continue your investigation. Je sais bien, Charlie. Et les gars, il est marrant, Samus, c'est pas un gars. Alors, est-ce qu'on peut marcher normalement? Ou alors, est-ce que la cinématique nous y amène directement? C'est encore mieux. Ah, oh, ouais, c'est cool. Ça. So I managed to recover one piece of data. Génial, tu es le meilleur. Mais c'est que ça en fait beaucoup, des infos, dis donc. Galactic Federation. Life forms from each planet have been des formes de vie de toute planète. Site manager and development director, Dr. Madeleine Bergman. Madeleine Bergman. De toute façon, la Fédération Galactique, on se demande ce qu'ils font pas, hein. C'est des gros connards. Toujours se méfier de la Fédération Galactique. Madeleine Bergman. J'espère qu'elle est bien roulée. I didn't need to press Adam about it any further. I knew his mind. Not only was he a strong opponent of bioweapons, he was against the use of living things for unnecessary reasons, period. Bah, au moins il est juste. Enfin, si on peut appeler ça juste. No matter what form it takes as it's born into this often cruel universe.
should not be tampered with. That was Adam's philosophy. Mm-hmm. And bringing the infant Metroid back, I did something that I know would have gone against his convictions. And though I might have been left alone, it was a clear and blatant violation of protocol. C'était l'époque. Maintenant, c'est maintenant. Madame, il a pas l'air content. Out of nowhere, I suddenly found myself concerned with his opinion again. Oh putain, je vais tousser pendant toute la vidéo. Oh oui, rétablis le système. Pointu. Oh, ça me connaît les choses pointues. Ça prend toujours du temps avec vous, les gars. Keep scouting for more intel. Let's go. Quand Remember Me parle, tout le monde écoute. Bon, et Samus, qu'est-ce qu'elle fait? Putain, elle marche toujours à deux à l'heure. Est-ce que j'ai un point à suivre? Ouais, j'ai un point à suivre. Bah, suivons-le, ma chère Jamie. Je crois que c'est par là. Ok, en fait, je crois que c'est... Attendez. Se foutre de ma gueule, c'est derrière moi. Je peux pas sortir, je peux à peine bouger. Hein. Bon, bah la porte là-bas elle est fermée vu que je vois que sur mon radar c'est rouge, donc on va aller à gauche. Et on va essayer de se dépêcher histoire d'avancer un peu dans le jeu quand même. Parce que oui, monsieur mise à se plaint que je n'avance pas vite. Mais bon, j'avoue, j'emmerde. En même temps, comment tu veux que j'aille vite avec la vitesse à laquelle Samus marche? Vous êtes marrant, vous. Elle est bien bonne celle-là, elle est vite. Mais regarde là, elle marche à deux à l'heure, on dirait un pingouin. Plus ça se trouve, je me trompe de chemin, je vais revenir en arrière. Ah, la porte est ouverte. Ouais, c'est celle qui était fermée tout à l'heure. On peut toujours pas courir, hein. C'est chiant. Heureusement que c'est en ligne droite, hein, parce que sinon on serait de la merde. Ah, il y a un gars là. Il y en a même deux pour le prix d'un. Salut les gars. Ça vous dirait de faire comme le God of War? Bah quoi, je prends les phases de BGM All. Faut assumer. Enfin bref. Putain, les portes, y'en a ici, hein. J'aurais mieux fait de me taire, enfin bref. Donc on va les faire dans l'ordre, comme d'habitude. Comme à mon habitude. Oh, mais c'est de la bave. Ah, où est Charlie? Mais oui, où est Charlie? Mais qu'est-ce donc? De la merde! Je crois que c'est des pirates intergalactiques si je dis pas de conneries. Bonjour! Donc qu'est-ce qu'ils attendent pour venir m'aider les autres là? Mais non, ils allaient m'aider! Putain, ils sont marrants! Samus, tu t'occupes des ennemis, les autres, vous parlez! Putain, c'est moi qui me fais tout le boulot quoi! Plus c'est des ennemis chiants. Ils ont l'air. Ouais, c'est bien des pirates intergalactiques. Je les reconnais, ces petits bougres. Avec leurs tirs bien vigoureux. Au revoir. C'est beau, ça fait un effet d'arc-en-ciel qu'on leur tire dessus et qu'on est dessus et qu'on leur tire quoi. Voilà, comme ça. Petit effet d'arc-en-ciel. C'est bien, ils ont pensé à toucher Nintendo. Nintendo. Putain, tu lui sautes dessus lui. Voilà, comme ça. Oh, la belle violette. Au moins quand ils explosent, on voit qu'ils explosent, hein. Et pas qu'un peu. Je te monte sur la tête, hein. Alors lui, il a senti, hein. Ça, c'est long, hein. Et c'est long pour pas grand-chose, je trouve. Ah oui, je me suis pris un coup, là, ça fait mal. Arrête de bouger, je vais te tuer de toute façon. C'est écrit dans les scripts de l'histoire. Pas le chercher quoi. Il est passé où? Attendez, je l'ai vu aller à gauche. Oh le gars quoi. Il est venu se planquer dans le couloir. Putain la tarlouse. Oh toi, je vais t'allumer mon pote. Oui, je parle en tout sens maintenant, c'est cool. Bon, il en reste un. Oui.
On va essayer de le tuer à l'ancienne. Coup de missile. Oh, oh, il a senti, ça a fait un bel effet de zoom à la fin. Oh non. Ça y est, c'est fait une petite phase de combat. Madame se remet à marcher à deux à l'heure. Ça y est, c'est bon. Faut que je vérifie qu'il y a rien. Bon, apparemment, il y a rien. On va revenir en arrière donc. Le bras levé en l'air. Poum, 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 poum. On sent que la lumière est de qualité ici. Remember me, je suis en vie, où es-tu? Parce que j'espère que t'es aussi en vie, parce que sinon le jeu deviendrait inutile quoi. Attendez, le jeu sans Remember me. Putain, le porcelet aujourd'hui ferme pas sa gueule hein. Enfin bref. Putain, j'en ai marre de tousser. Ah, marche. Oh non, putain, mais. Cours plutôt, voilà, cinématique. J'espère qu'après cette cinématique, Samus retrouvera la capacité de courir. Parce que là, on dirait qu'elle a un balai dans le cul. C'est bon, on n'est pas de notre planète, hein, on va pas se faire. Oh, il est mignon. Parce qu'il a de la gueule, dis donc. Allez, faites qu'on arrive direct dehors. Faites qu'on arrive direct. Oh oui, c'est bon ça, on va arriver direct dehors. Oh putain, oui. Non. Il y a un putain d'effet de ralenti là. Monsieur s'amuse à marcher contre les murs. On dirait un colosse de Shadow of the Colossus. C'est un comique. Hein. Oh, des Taz. Enfin des diables de Tasmanie plutôt. Il y a quelqu'un qui m'avait dit le nom de l'animal dans les commentaires, mais j'avais oublié. Je l'ai déjà oublié en fait. Oh mais dis donc, c'est qu'il a un dard. T'es dard. T'es trop dard. Attendez, faut que je fasse quoi? Ah, ramène-moi ton petit dard, pareil. Aïe, même pas mal. Ah, mais arrête de bouger, toi. Toi, je vais te la remettre, tu vas la sentir passer. Tiens, tu l'as senti, celle-là. Hein. Par contre, si tu pouvais arrêter de bouger le zoom. Où est ton dard? Aïe. Putain, c'est bon. Fou, il est pas passé loin, celui-là. Il est résistant pour un dard. Attendez, sa barre de vie en haut à droite. Oh, arrête de faire du wall-up. Hey, mais c'est quoi ce boss là? Oh merde. Attendez, et je reviens où si je crève? Allez, j'ai pas crevé ici. Oh, j'ai pas envie de mourir ici, non. Tu peux, arrête, s'il te plaît, tu me fais peur. Arrête. Non. Oh mon dieu, sauvé. Pouf. Oh, je sais pas qui s'est gaffé ça, mais bon, il est... Merci. Oh putain, c'est pas passé loin là. Hein. Parce que Blanche-Neige, c'est bon, je l'ai assez vu comme ça. Hein. Blanche-Neige violette. Hein. Mais dis donc, c'est Remember Me, il a un beau pistolet. Je ne parlais pas de sa bite, je parlais vraiment de son pistolet, n'est-ce pas? Ah oui, quand même. Et donc en gros, là, il a fui. C'est pas bon, ça. Parce que s'il a fui, il reviendra un jour. You okay, princess? Princess. I wanted to give you some cover early. This thing takes forever to charge. I'll save this. Forever to charge. Il est marrant, lui. Not that you'll need. Mais vie, putain. What's up? What's up? Lyle's down. Oh non. Looks like a Lyle. L'enculé. Happened to a guy to make him look like that? Ah bien sûr. T'as un beau petit cœur, Remember Me. Ils sont marrants, mais s'ils se mettent devant, en fait, je peux avoir grand chose à part leur cul. Quel très beau fessier, ma foi. Bon, bien sûr, je dis ça en regardant les arbres, c'est beau. Oui, j'ai des tendances écologiques ces derniers temps.
Attendez, là faut que je regarde quoi. En plus, il me semble que Mizam l'avait spoilé celle-là, mais j'ai totalement oublié ce qu'il m'avait dit. Parce qu'il m'a dit, tu verras, il y en aura deux à la con, et ensuite tu auras une phase où est Charlie vachement dur. Et celle-là, bah faut que je te dise absolument où est-ce qu'il est Charlie. Le truc, c'est que j'ai oublié ce qu'il m'a dit. Attendez, il m'avait pas dit derrière ou un truc comme ça. Non, c'est pas dans le ciel. Voilà, donc on se retrouve après cette petite pause, donc on continue de chercher Charlie. Donc non, je n'ai pas été voir une solution, je suis toujours bloqué. Voilà. Même si j'aurais dû, il pensait d'aller voir une solution entre deux. Putain, je suis con, j'aurais dû le faire. Putain, mais faudra... Putain, mais il est où Charlie, là? Quel connard de Charlie à se cacher derrière ces buissons, là. Foiré de Charlie. N'empêche qu'il était plus facile à trouver dans les livres. Ah, c'est pas possible, je vais jamais y arriver. Vous avez vu la taille de la plaine? Oh, oh! Je savais que j'y arriverais. Putain, mais c'était trop facile. Oh, le petit pingouin, il est mort. Enfin, le poussin, plutôt. Pauvre petit poussin, il s'est fait manger. Ah ouais, non. En fait, le poussin, il est sorti de son corps. Oh, il est mignon. Faut pas tant que ça. Hein. Bien sûr, c'est moi qui me tape le monstre. Ils sont marrants. Je vais te le laisser le monstre, tu vas voir. Comment il fait pour savoir exactement où il est, putain, quel connard. Nous partons à la poursuite du monstre. Mais en gros, il veut que je rentre dans... Non, il veut... je peux pas rentrer dans le bâtiment, c'est fermé. Ouais, il y a une porte à gauche. Je ne l'avais point vu. Ah oui, bien sûr. La porte sur le gramme de la mort. Alors... Saute, c'est qu'elle ne veut pas passer. Au moins, écoute celle-là. Ah, mais on avait pas vu cette pause depuis Metroid Prime, vous vous rendez compte? Putain, dès que je fais une blague de merde, juste après, je tousse. It was clear that the Galactic Federation was developing bioweapons on the bottle ship. En même temps, avec un nom pareil, la station bouteille, on se demande ce qu'ils auraient pu faire d'autre dessus. Regardless, I knew I had to talk to the person in charge, Madeline Bergman. Madeline. Of course, she would have to be alive in order for me to do that. Searching areas you can access with your current equipment. We'll determine weapon and equipment authorization after we get a better understanding. Putain, mais ils font chier. C'est-à-dire que là je peux pas tirer? C'est bon, j'ai eu peur pendant un instant. Boum 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 boum. Ouais, je voulais juste vérifier. Oula, oula, eh oh, calme ta race. J'ai vraiment dit calme ta race là. Putain. Je commence à prendre un de ces langages, faut que je fasse gaffe. Hein. Oh, comment je l'ai évité, l'atome volant. Oh, il y a des jolis monstres qui passent en arrière-plan. Hein. Oh, il a vu passer celui-là. Oh mon Dieu, doux Seigneur, je crois en vous, mais je suis mort. Snake. Bah, je crois que c'est mon premier game over du jeu. Hein. Bon bah, ça va faire plaisir à certains, ça. On peut dire que là, je l'ai pas vu venir. Hein. Je dois dire que là, je me suis bien fait avoir. Mais je pensais que je devais réussir à passer de l'autre côté, mais en fait, sûrement que non. Oh, il est chaud, la Tom, là, il me poursuivait. Vous voulez pas me lâcher. Je regardais, c'est l'autre connard qu'on voit passer en fond, en fait. Je disais, oh, il est joli, mais en fait, non, c'est un enfoiré. Toi, ta gueule. Il m'a fait chier, je le défonce, attendez. Alors, c'est là. Oh, 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 mais regardez, il me laisse rien faire.
Bon, attendez, on va essayer d'y aller tranquillement. Parce que j'en ai marre d'avoir le game over un peu à la Metal Gear Solid. Donc on va essayer d'y aller autrement, si vous voyez ce que je veux dire. Putain, fuck off. Oh, je crois que j'ai touché quelque chose. Attendez, je crois que ça va être là. Oh, calme-toi, toi. Ça va être là, ça va être là. C'est là, c'est là. Comment je pourrais faire? En plus, tu veux les armes par là? Regardez, je le sens. Oh, oh, j'ai réussi, je sais pas comment, mais j'ai réussi. Ok. Fallait appuyer sur tous les boutons, apparemment. Oh, c'est cool. Oh, une salle avec des lasers rouges en fond. Ah oui, il y avait un ennemi. Ok, je lui ai rentré dedans tranquille, mais bon, c'est pas grave. Porte fermée, c'est logique. Il y en a une autre ouverte juste de l'autre côté. Oh là, calme-toi, calme-toi. Ha ha! Et un point de sauvegarde, comme chaque fois j'ai longtemps. Et on va donc s'arrêter ici. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et alors que je tournicote autour d'un point de sauvegarde, et ben je vais rentrer dedans pour m'arrêter ici. Oh, sauvegarde. Tout ça en plus, attention. Et on débloque la carte, c'est cool. Nous avons la carte de la chaune. Donc voilà, on va donc pouvoir s'arrêter ici. Sur ce... Non, c'est le mauvais bouton. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis salut à tous et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus ?